au rucher de la Marne. C'est l'heure des premières visites, vraies visites de printemps. On va enlever la porte. Salut les filles. Juste qu'on a déjà vu avec d'autres ruches, effectivement, ça construit très bien. Si c'est lourd, ça veut dire qu'il doit effectivement y avoir des réserves, beaucoup de réserves ici. C'est tout rempli, c'est tout brillant. C'est pour poser directement mon cadre à bâtir. Donc, donner de quoi travailler et renouveler les cires aux abeilles. Alors, grosse réserve, cadre très lourd. Du couvain, cire, du couvain d'ouvrière et du couvain du mâle. Qu'est-ce que je vois? De la ponte, ok. Du couvain ouvert donc. Donc un petit manque de place puisque là on a pas mal de pollen au milieu du couvain, donc ça le signe que 1. Les abeilles trouvent de quoi manger, c'est positif. Et 2. Qu'elle manque un petit peu de place. Deux autres. Musette. J'ai des abeilles fort noires, ça va être à surveiller. Je pense juste que c'est une des, on va dire, sources génétiques. C'est des abeilles beaucoup plus foncées, c'est assez marrant. Encore un petit peu de ponte, un couvain qui se termine là, d'accord. En principe des réserves, ouais. Le cadre très lourd, grosse réserve, donc vous pouvez donner à la ruche véritablement de quoi s'occuper dans les jours qui viennent. Voilà.